Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan. Mais avant qu'on commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à suivre tout ce qui est en description de cette vidéo. C'est la première vidéo de la rentrée. Non, c'est... Oh. Il est content. Il faut savoir un truc, je vais vous préciser. Ça fait deuxième fois que j'essaye de tourner une vidéo, parce que la première fois que j'ai fait la vidéo, le son était un peu dégueulasse. Du coup, j'ai réglé mon problème. Désolé des bruits extérieurs. Voilà, donc cette vidéo va être un peu courte pour ce bilan. Parce qu'il faut savoir ce que j'avais dit dans la première vidéo. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc, je vais pas redire. Ça doit être bilan du mois de juillet meilleur. Ouais, parce que je sais plus. Il me semble que le mois de juin, désolé, hein, c'est le matin. Je crois qu'il restait 136 euros. Je sais plus, bref, je vais vous en parler. Je vais parler un petit peu plus d'autres choses aussi. Soyez bien au courant, au courant. Restez bien à la fin. Bref, donc là on va commencer le bilan. On va commencer par les revenus de livraison. On est à 76 223 euros. Mince, je vais un peu trop vite. Alors vous avez le truc de fond, donc vous voyez pas. En dépenses maintenant, dépôt et frais, donc plutôt frais de route, on est à 17 615 euros. TVA, on est à 15 244 euros. Et frais d'entreprise, on est à 2000 euros. Mensualité, on est à 13 941 euros. Et en salaire, on est à 11 433 euros. Passons maintenant aux bénéfices et impôts. Bénéfice brut, on est à 15 988 euros. Impôts, on est à 4 476 euros. Bénéfice net, on est à 11 511 euros. Voilà un petit peu pour le tableau de comptabilité. Vous l'avez sur une autre forme, vous voyez pas mon tableau. Alors, vous voyez plus maintenant que je fais ça. Je vous mettrai comme d'habitude le diagramme. Il faut savoir que là en ce moment je fais la vidéo, même la première vidéo, hein, je vous l'ai dit, je dis les mêmes choses à peu près, que je n'ai toujours pas fait le diagramme, mais au montage il sera fait. Vous aurez le petit screen qui va arriver, il n'y a pas de souci. Passons au compte en banque de l'entreprise. Je crois qu'il restait que 136 euros au mois de juin, je ne sais plus. Peut-être que je vous mettrai que un petit extrait du mois de juin pour ceux qui ne s'en souviennent. Compte en banque de l'entreprise, on est à 11 647 euros. Donc c'est beaucoup mieux que les 136 euros. Je sais plus, hein, peut-être que j'ai dit des conneries. Mais vous verrez bien le montage. Et c'est pas fini. J'ai des choses à vous dire. Déjà, j'ai changé de portable. Qui dit nouveau portable dit donc nouveau système d'exploitation et tout. Là, je me rends compte, là, parce que j'ai le chronomètre aussi, pareil comme l'ancien. Bon, j'ai le minuteur. Bref, bon, c'est beaucoup plus poussé que mon ancien. Mon ancien, pour ceux qui ne le savent toujours pas, c'est un Nokia Lumia 925. Malheureusement, il m'a lâché. Bah, c'est plutôt le réseau du côté de mon portable qui m'a lâché. Donc, je pouvais plus appeler. Plus rien faire, donc il fallait que je trouve une solution. Chez mon opérateur, ça fonctionnait nickel. Du coup, j'en ai déduit que c'était mon portable et du coup, j'ai changé mon portable. Pas offert un speech, tout ça. Et du coup, comme j'ai le chronomètre, et ben d'habitude, sur mon ancien, il se met en veille quand j'ai le chronomètre en route. L'écran de mon téléphone est moins éclairé. Au début, il est éclairé, mais si je le touche pas, et que le chronomètre est en route, il s'assombrit un peu, mais je vois quand même mon chronomètre. Hein. Là, à l'heure où je vous parle, je peux même vous dire à combien de minutes il est, parce qu'il est à côté de moi. On est à bientôt 6 minutes de vidéo. Alors après, vous, ça sera moins. Mais je vous dis actuellement, au moment où on parle, on est presque à 6 minutes. Là, on vient de les atteindre. Qui dit nouveau portable, dit qu'il y aura une petite vidéo qui va arriver d'ici l'année. Voilà. Je vais vous expliquer. Bon, c'est pas, il n'y aura pas de changement, ni rien du tout. Il va se passer certaines choses. Il y aura des changements. Ça veut dire, on garde ce qu'on a à garder. Mais je vous en parlerai, vous inquiétez pas. Je vous ferai peut-être une petite vidéo, donc soyez au courant. Regardez bien vos abonnements si vous n'avez pas les notifications. Pour ceux qui ont les notifications, bah, tant mieux, hein, vous serez au courant de l'arrivée de cette vidéo qui vous parlera de différentes choses, ce qui va se passer, ces petites choses. Donc voilà, restez bien au courant quand cette petite vidéo arrivera. Je vais vous expliquer, hein, vous inquiétez pas dans cette vidéo. Qui dit nouveau portable dit plus de choses qu'on pourra faire avec ce portable. Mais vous inquiétez pas. Pour l'instant, soyez au courant, dès que cette vidéo sortira, je vous dirai à peu près les choses. Bref, là je m'éparpille un peu. Je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Vous aurez le mois d'août
temps de bilan. Alors, le mois d'août, je n'ai rien, je n'ai pas roulé, hein, j'étais en vacances tout le mois d'août. Même l'entreprise, de mon côté, je n'ai pas roulé. Vous aurez un bilan un peu spécial, où vous aurez le bilan du mois d'août et le bilan de l'année. Et cette fois-ci avec le diagramme. Voilà, vous aurez le diagramme et tout. Il y aura peut-être un peu moins de montage, mais vous inquiétez pas. Alors, là, dans ma tête, il y a une idée qui est arrivée dans ma tête, mais je vous en dis pas, peut-être pas plus, je sais pas si je la ferai. Peut-être que dans le bilan de l'année, où il y aura le bilan de mois d'août dedans. De toute façon, le bilan de mois d'août, je vous dis, je vous ferai un truc plus court. Parce qu'il n'y aura pas de revenus, il y aura juste quelques dépenses. Parce que, ben oui, il y a les frais d'entreprise. Et voilà. Dans ce bilan de l'année, je pense qu'on fera un point situation de l'entreprise. Sur la première vidéo, j'avais pas dit qu'on ferait ça, mais ça vient juste d'arriver dans ma tête. Donc voilà un petit peu, vous verrez bien. Je pense que j'ai tout dit dans cette vidéo. Prochaine vidéo, ben vous verrez bien. Ce sera plutôt le bilan du mois de l'année. Sinon, ben, il y aura le retour des Ugram. Hein. Ça va tout reprendre tout doucement, vous inquiétez pas. Voilà un petit peu, les amis. Moi, je vais vous laisser sur cette vidéo, ça fait 10 minutes de vidéo, je parle, mais vous serez plus court, donc elle fera moins de 10 minutes. Bref, donc nous on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo, et moi je vous dis bye.